Kate, le style, l'élégance et l'équilibre de la duchesse de Cambridge sont souvent salués comme étant un classique de la famille royale, les Middleton obtenant l'appréciation du public pour la façon dont ils ont élevé la future reine. Kate, la duchesse de Cambridge a assumé un nombre croissant de fonctions ces dernières années, conquérant le public britannique et international par la façon dont elle aborde son rôle. L'auteur Tom Quinn a suggéré qu'une photographie prise d'elle lors des funérailles du duc d'Édimbourg en 2021 montrait que la duchesse était devenue plus royale que la famille royale. S'adressant au documentaire royal de Channel 5, Kate, Our Queen in Waiting, M. Quinn a déclaré « Un élégant manteau habillé Catherine Walker avec le nœud sur l'épaule, le filet dans les cheveux et les cheveux incroyablement brillants. Elle a une sorte d'équilibre, presque une immobilité, donc je pense que toute l'attention, sans qu'elle essaie vraiment, était sur elle. Elle avait presque l'air plus royal que la famille royale. » Parlant de son aplomb, M. Quinn a ajouté, quel paradoxe c'était, d'autant plus qu'elle n'était pas née dedans. L'experte royale Emily Andrews a souligné que Kate porte une paire de boucles d'oreilles lors des funérailles penchées en permanence par notre reine actuelle. Madame Andrews a déclaré, les perles et les diamants sont les bijoux traditionnels portés en deuil. Kate est née dans une famille de la classe moyenne supérieure et est le premier enfant de trois enfants pour Michael et Carol Middleton. Elle a deux frères et sœurs plus jeunes, sa sœur Philippa, également connue sous le nom de Pippa, et son frère James. Le père de Catherine est né dans une riche famille du Yorkshire liée à l'aristocratie britannique. La future duchesse de Cambridge a rencontré William alors qu'elle étudiait à l'université St. Andrews en Écosse entre 2001 et 2005. Le couple s'est séparé pendant quelques mois mais leur idylle s'est rapidement ravivée et ils sont inséparables depuis. En 2010, leurs fiançailles ont été annoncées et le couple s'est marié en avril 2011 à l'abbaye de Westminster, à Londres. Depuis leur mariage en 2011, le couple a accueilli trois enfants, le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans, et le prince Louis, 3 ans. En plus de son sang-froid, Kate est également fière de son travail caritatif. Kate a veillé à ce que l'importance de la famille dans sa propre vie soit utilisée dans son travail, concentrant ses efforts caritatifs sur les œuvres caritatives pour enfants au fil des ans et se spécialisant dans le bien-être des enfants et le développement de la petite enfance. Elle a fait de l'intervention précoce une grande priorité dans son travail caritatif.